Hello, bonjour, je vais parler du prince Charles ou alors du roi Charles et son couronnement. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo en demandant si le prince Harry ou Meghan seraient présents lors du couronnement du roi et j'avais dit que s'ils étaient invités, il fallait qu'ils soient là parce que le prince Harry était le fils du prince Charles. Donc les médias nous ont toujours répété par des sources proches de la famille royale que le prince Charles ou le roi Charles va inviter le prince Harry parce qu'après tout c'est son fils. Il souhaiterait que son fils soit présent et ça ne serait pas bien s'il n'était pas présent. Donc il va envoyer l'invitation en espérant que bien sûr le prince Harry ne donne pas suite ou alors ne soit pas présent. Donc c'est ce qu'ils nous ont expliqué. On avait d'ailleurs demandé au prince Harry s'il serait présent lors du couronnement et il a dit qu'il y avait encore suffisamment de temps et que ben il réservait sa réponse et que la balle était dans le camp de la famille royale. Quand il a dit ça, est-ce que ça voulait dire qu'il n'a pas reçu d'invitation? Ça, on ne le sait pas. Maintenant que le prince Charles ou le roi Charles est bloqué, il ne peut plus rétracter sa soi-disant invitation dont ces commentateurs royaux par des temps. Il ne peut plus dire à Harry de ne pas venir parce qu'ils ont tellement fait la publicité en disant qu'il était ouvert, c'était un bon père, qu'il aimait son fils. Maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire en sorte que Rishi Sunak, le nouveau premier ministre anglais, s'en mêle et demande à Harry de ne pas se présenter parce qu'ils disent que le couronnement, c'est un acte constitutionnel et c'est un acte du gouvernement, que la famille royale n'a aucun droit de regard dessus et que même s'ils veulent que le prince Harry soit là, le gouvernement anglais ou le premier ministre peut demander au prince Harry, sous la pression du peuple, qui ne soit pas présent. Voilà. Donc, apparemment, les trolls et les haters seraient en train de faire pression sur le Premier ministre pour qu'il donne une décision. Il empêche le prince Harry de venir au couronnement. Le truc ici, c'est que après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont dire oui, Harry n'était pas là, pourquoi Harry n'était pas là? Ben, ça sera peut-être des journaux parce que on aura interdit au prince Harry de venir. La logique derrière le fait qu'ils ne veulent pas que ce soit le prince Charles ou le roi Charles qui disent à Harry de ne pas venir, c'est qu'ils ne veulent pas qu'Harry se plaigne devant les journaux en disant que le prince Charles, son père, l'a empêché de venir à son couronnement et ils ne veulent pas que ça fasse le tour du monde. Et du coup, ils demandent à Rishi Sunak de trancher. Personnellement, je dis que ça sera pareil. S'il ne vient pas au couronnement de son père, on parlera toujours du fait qu'il soit pas là. Donc c'est ridicule qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ben les journaux vont toujours couvrir ça. Et ça montre en fait la mauvaise foi et la dent dure que certains Anglais ont contre le prince Harry. Ils ne veulent pas accepter qu'il ait dit ben je vous donne toutes vos histoires et je m'en vais aux États-Unis avec ma femme. Ça, pour eux, c'est trop. Ils ont la haine et ils suivent le prince Harry partout où il va. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.